Nouvel unboxing cette semaine. La commande Bonprix est arrivée avant la commande Shein. Donc voilà la commande Bonprix. Alors c'est marrant parce que ça faisait longtemps que j'avais commandé. Ça fait, je crois qu'il y a encore il y a un haul qui date de l'année passée, Bonprix. Donc ça doit faire peut-être 4 mois, 5 mois, je sais pas. Et c'était pas les mêmes sachets. Du coup maintenant, regardez, ils ont changé de sachet. C'est des sachets marrons avec des dessins pas du tout modernes. Je suis pas convaincue du tout. Avant, c'était bêtement, vous rappelez, les sachets blancs avec le logo Bonprix rouge et jaune, je pense, je sais plus. Mais c'était beaucoup plus attrayant que ça. Pour moi, c'est hyper vieillot, ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé, je ne sais pas du tout. Mais voilà, donc j'ai commandé plusieurs trucs que je vais vous montrer. Je m'appelle Etiler et ma spécialité, c'est la mode mid-size et plus-size. Je fais un 48 EU. Et sur les réseaux sociaux, je te donne mes bons plans, des idées de tenues et je te montre tous mes achats. Aussi, tu fais une taille au-delà du 42, n'hésite pas à me suivre partout. Le concept de ces vidéos, c'est que c'est des vidéos où je ne m'arrête pas de parler. Non, c'est un unboxing, mais pas coupé, à part entre les vêtements ou ce genre de choses. Mais donc, c'est très long, ce n'est pas monté en gros. C'est vraiment monter le minimum du minimum. Donc, attends-toi peut-être à une vidéo longue. Comme tu peux le voir, le colis est fermé. On va donc l'ouvrir ensemble et ça sera un unboxing première impression comme à chaque fois. On va voir si ça me va. Je pense que je me rappelle plus ou moins pour une fois ce que j'ai commandé. Ça n'arrive jamais. Voilà, donc on va ouvrir ça. Et puis je montrerai évidemment comment ça tombe sur moi en tournant la caméra. Donc voilà, c'est ouvert. Donc on a... Ah ouais, je me rappelle en fait. Alors moi j'adore les rayures, par contre je m'attendais pas à... En fait je sais jamais comment ça s'appelle, c'est côtelé, non? Quand ça a des traits comme ça dedans, je sais pas. C'est un top à rayures et comme j'aime beaucoup les rayures, j'ai pris le rose et j'ai aussi pris le noir. Voilà. Même taille je pense que j'ai pris. Parfois je prends deux tailles, hein, mais là je pense que j'ai pris une taille. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, si je me rappelle bien, c'est un body. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rouge. Là, je trouve qu'il est... Mais il est rouge, mais avec une pointe d'orange. On dirait un rouge scarlet plutôt. Voilà, c'est un body. Voilà, classique. Voilà. J'adore les bodys, hein. Si tu me suis, tu sais que j'adore ça. Ici, on a une combinaison. Mais putain, c'est de nouveau un tissu en relief. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce style de tissu. Voilà. Ici. Par contre, ici. Ah ouais, c'est un pull aussi. Ah oui, c'est le pull. Avec le décolleté. Je pense que le décolleté, il est soit carré, soit en petit cœur. Je sais plus. C'est un pull. Voilà. Pullover. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, c'est le même pull, mais en bleu. Ouais. Attends, ça tombe. Et. Troisième. Alors ça, ah si, c'est un pantalon, mais je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus jaunes. Donc je suis un peu déçue quand même. Voilà. Alors on va d'abord essayer tous les hauts parce que je suis en jeans en dessous de mon pilou. Puis on essayera le body, la combi et le pantalon. À mon avis, le pantalon avec le body, bon, les couleurs vont pas hyper bien ensemble. Mais on va faire ça. Je retourne la caméra et c'est parti. Premier vêtement, le top noir, j'ai pris. Je ne sais pas qui a dit que les rayures n'allaient pas aux grosses. Moi, j'adore les rayures. J'adore les marinières. J'adore ce genre de trucs. Et moi, j'adore ça. Je vais vous montrer. Je vais reculer. Oh, il est grand. Je l'ai pris fort grand, non? Quelle taille j'ai pris? Je vais regarder. Il est un peu grand, mais ça va. J'aime beaucoup. J'aime pas non plus quand le col remonte trop haut. C'est pour ça que j'aime bien les grands cols comme ça. Bah, il est à la bonne taille. C'est juste que je sens que j'espère qu'il va pas se détendre. Parfois, les trucs Bonprix se détendent parce que Bonprix, ça va, mais c'est pas non plus de la qualité extra. J'ai regardé la taille. Par contre, c'est quelle taille du coup? C'est pas du 46, hein, monsieur. C'est noté 46, 48. 48? Ça taille grand pour du 48. Bon, je trouve que ça taille en 1. Je vais baisser la caméra du coup parce qu'on voit pas bien. Voilà, là on voit. 48. Moi, je trouve qu'il taille grand. C'est peut-être parce que les autres marquent taille petit, en fait. Mais non, mais sinon, il est nickel. Là, c'est un peu grand. En fait, je pourrais le mettre comme ça. Oh, je déteste ces trucs. Je pense qu'il n'est pas censé se porter comme ça.
Mais le col est tellement grand que ben, ça le fait comme ça aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, là, il est un peu grand, ça se voit, non? Derrière, regarde. Je sais pas s'il va bouger. Parfois, les vêtements bon prix bougent. Parfois, ils bougent pas. Mais j'ai déjà eu des sales blagues avec des pulls que j'adorais et qui ont vraiment bougé. Parce que du coup, quand j'aime mes vêtements, je les mets beaucoup. Du coup, je les lave beaucoup. Même si je fais attention au lavage. Chez Monprix, j'ai souvent des trucs qui bougent. Ben, ça va. C'est con que ça tient pas comme ça, en fait. C'est un peu grand, je crois. C'est un peu grand. Je vais mettre le rose. Bon, voilà, j'ai mis le rose. Je trouve qu'il est encore plus long. Mais c'est moi ou il est beaucoup plus long? J'ai vraiment l'impression qu'il est long. Non, c'est la même longueur. Putain, j'ai l'impression qu'il est long. Je vais remettre le noir pour voir, mais. Bah, j'aime bien quand c'est long. Et puis Bonprix, en général, c'est long parce que c'est fait. Bonprix, c'est une marque allemande et les Allemands sont plus grands. Je sais pas si vous avez remarqué, moi j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en fonction du pays. Ils s'adaptent à la morphologie des gens de leur pays. Et c'est pour ça que Bonprix est en général long, tout comme d'autres marques. Et c'est aussi pour ça que les marques britanniques sont en général plus larges aussi, que tout ce qui est espagnol, taille petit ou des trucs comme ça. Mais là, clairement, c'est long et c'est grand, mais c'est pas possible que c'est du 48 quand même. Enfin, c'est la bonne taille, hein. Si c'est du 48, mais c'est juste que c'est, je trouve que c'est grand. Peut-être que ça va rétrécir parce que tu vois, c'est le genre de matière. Mais je te dis, je sais pas si comment ça s'appelle côtelé, je sais pas si c'est côtelé, mais tu vois, il y a des lignes, quoi. Je sais pas. Je vais remettre le noir. Pour voir au cas où. Je vais pas montrer le dos, mais le dos est bas. Je vais remettre le noir. J'avoue que j'ai pas fait attention tout à l'heure de comment je l'avais mis. C'est marrant, on dirait. Vous avez pas l'impression qu'il est plus grand là que l'autre? Enfin, qu'il est, ouais, il tombe plus bas. Pourtant, c'est le bon côté. Hein. Je me suis dit peut-être que j'ai mis le mauvais côté. Bah, ça va. Je ne sais pas quoi dire parce que ça m'étonne la façon dont il taille. Cela dit, je suis très contente. Ça va très bien. 48 un peu grand. Mais ça va. Enfin, moi, ça me convient. Voilà, et un peu long, mais très bien. Comme ça, je pourrais bien le rentrer dans mon pantalon et tout. C'est parfait. Je sais juste que ouais, ça m'a surpris, quoi. Ensuite, on passe au pullover. Donc, je t'avais dit, c'est pas un cœur, mais c'est. Enfin, le col est différent. Est-ce que c'est des vrais boutons? Non, pas du tout. C'est vraiment un pullover, quoi. C'est un pull, quoi. Celui-là est moins long, pardon, que le t-shirt. Mais par contre, c'est grand, oui. C'est toujours du 48, hein. C'est grand. Bah, il est bien. Moi, j'aime bien. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Il est basique, mais ça fait la petite originalité. Et puis, il est. Je le trouve très bien, je le trouve bien. Donc, ouais. Voilà. Je vais le mettre en noir aussi, vu que je l'ai pris en noir. En fait, j'ai commandé tellement de trucs, j'ai eu tellement du mal à trouver sur Bonprix des trucs qui me plaisaient vraiment, vraiment bien. Que j'ai pris plusieurs trucs parfois en deux couleurs. Comme tu peux voir, celui-ci, je l'ai en noir aussi. Du coup, j'ai une commande quand même assez chère, mais là, il y a tout qui va. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que j'aurais renvoyé, peut-être le pantalon. Parce que la couleur me plaît moins. Mais non, mais il est bien, donc je vais pas me plaindre. Un peu grand, nouveau taille, un peu grand. Mais pas de souci. Regarde. Non, c'est très bien. Je mets le noir. Bon, le noir, bah, pareil. Pareil que le bleu. Il n'y a rien à dire. Celui-ci, il n'y a pas de différence avec le bleu. Enfin, je ne ressens pas de différence, au contraire du t-shirt avant. T-shirt rayé. Non, bah, il est très bien. Voilà, il est. Non, il est très bien. Voilà, deux bons pulls. Ensuite, on passe à la combi, mais je pense que tu verras pas bien si je dézoome pas. Voilà. La combi est elle aussi. Bah, très bien. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais reculer, évidemment. Elle est très agréable parce que bah, y a un empiècement pour la poitrine et ça tombe vraiment très bien. Genre, la poitrine, elle tombe là. Là, il y a un élastique, tu vois. Le petit nœud. Est-ce que c'est décoratif? Oui, c'est uniquement décoratif.
Des bretelles, pas spaghetti, mais pas large, large quoi, des bretelles normales. Très bien, quand il va faire chaud. Non, j'espère pas qu'il fera chaud. Mais au cas où il fasse chaud, des manches très profondes, ouais, c'est agréable. Ça tombe bien. Je vous disais qu'en général, on prend cette taille long. Mais ici, c'est bien parce que mon entrejambe tombe quasi parfaitement à mon entrejambe. Moi, j'ai toujours ce souci-là. Elle est vraiment bien. Non, elle est bien. Et puis, j'ai pris, il me semble, une petite. Je crois que c'était une courte. Et effectivement, il y a peut-être 1 cm de trop, mais je vais pas. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Mais je vais pas retirer. Je vais pas faire un ourlet pour 1 cm, quoi. Je vais faire juste attention. Non, elle est vraiment bien. Et elle taille bien parce que l'élastique est pile là où il faut. Ben, tu sais quoi, je préfère celle-ci que l'autre que j'ai acheté sur Vinted. D'ailleurs, si tu veux voir mes hauls Vinted, ils sont sur TikTok. Hein. J'en fais quand j'ai des commandes à montrer. Je pense que c'est dans le neuf que j'avais une combi à pois. Mais je préfère celle-ci en fait. Je crois que c'était une combi à pois MS. Mais celle-ci est mieux. Bon, les bras, c'est pas le même genre de bras là. Sur l'autre, c'est des bras larges. Enfin, des manches là, des bretelles larges. Mais ici, ça me convient très bien. Ça taille vraiment très bien. C'était une taille. Franchement. Eh ben, c'est tip top. Non, franchement, les jambes larges, un peu larges, pas beaucoup. Le tissu, est-ce que ça s'ajuste ou pas? Est-ce que je la sens glisser? Je crois pas. Je la sens glisser sur mon épaule. Un peu. Ben, ça va, c'est pas grave. Il suffit de faire un point. Et de nouveau, c'est un tissu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est de nouveau un tissu. C'est pas des lignes, mais c'est il y a du relief dedans. Franchement, elle taille super bien. Elle est canon. Je vais regarder s'il n'y en a pas une autre sur mon prix d'un autre motif ou couleur. Parce que la coupe est vraiment bien. Genre vraiment. Moi qui ai du mal à trouver des combis, ben voilà, une bonne pioche, quoi. Alors le body, bah, il taille aussi très bien. Je ne sais pas quelle taille j'ai pris. Col carré pour moi parce que j'aime bien le rouge. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais il n'y a pas de souci. C'est un body, donc il est près du corps. Au niveau de la coupe en bas, en fait, il est quand même, si je le mets bien, tu vois, il est quand même fort échancré. Ça remonte au-dessus de ma culotte. Ça, j'aime moins. Pourquoi? Parce que quand, enfin, je trouve que c'est super chiant quand les body remontent super haut comme ça. Donc vraiment haut, parce que ça dépasse du pantalon et je trouve ça horrible. Surtout que ça se fait naturellement quand on marche. Donc là, je suis moins convaincue. Donc il y a vraiment, voilà, moins convaincue, on va dire, moins convaincue. Cela dit, ouais, classique. Niveau du tissu, il faut que je vérifie aussi c'est quoi. Je le mettrai par écrit, mais je me sens moins qualitatif que le reste. Je sais pas. Là, la couture, elle tombe pas très bien. Peut-être que j'ai. Je sais pas quelle taille j'ai prise en fait. Quelle taille j'ai prise? Est-ce que c'est celui-ci? Ouais. 48. Je sais pas. Ça me. Je sais pas. Ben, ça va, mais c'est pas extraordinaire. Faut regarder le prix. Si c'est pas cher, ouais, ça vaut le coup. Si c'est cher, ça vaut pas le coup, je pense. Parce que je sais pas, je sens la. C'est pas les mêmes tissus, c'est. Je trouve que c'est différent. Je suis quasi sûre qu'il va boulocher vite. C'est l'expérience qui parle, ça. Mais sinon, ouais, ce qui est embêtant, c'est que ça remonte trop. C'est trop échancré. Donc, je suis plutôt pour un non pour cette fois, pour ce body. Je vais mettre le pantalon. Le pantalon, ça va plutôt être un non parce que je suis pas fan de cette couleur. En fait, je pensais que c'était plus jaune. Mais c'est du jaune. Du jaune caca, tu vois. Ce genre de jaune, c'est ça. C'est pas du vrai jaune, c'est du jaune vert, tu vois. Est-ce que là, c'est un vrai? Non. Putain, je l'ai pris parce qu'il y avait un élastique à resserrer. Et en fait, il n'y a pas d'élastique à resserrer. C'est pas un vrai. Bon, je l'enfile, hein. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'aime pas. Non. Bon, déjà, j'aime pas la couleur. Il taille bien. Il serre comme il faut, il tient bien à la taille. Niveau de l'entrejambe, c'est nickel. Les poches sont pas aussi profondes que la combi, mais ça va. Ma main là, je sais pas si on la voit. Jambes larges comme il faut, pas trop larges.
Il est léger. Non, il taille. La coupe est très bien, je trouve. Et il n'est pas trop long. Je dirais qu'il y a peut-être ouais, 1 cm. Non, un peu plus. 2 cm. 2 ou 3 cm en trop. Ce qui demanderait de faire un ourlet, mais je ne vais pas le garder. Ce qui me fait chier aussi, c'est quand il n'y a pas de lien, de vrai lien. C'est que moi, parfois, quand les pantalons avec un gros élastique, là, quand je marche, ils tiennent mal et finissent par descendre. Je trouve ça super chiant. Mais celui-ci, ben ça va. Je vais regarder s'il y a d'autres couleurs. Je n'aime pas du tout cette couleur. Donc ça, c'est un retour sûr. Mais éventuellement, pour une autre couleur, s'il y en a une autre. Voilà. Mais ouais, sinon, je te dis, je regarderai les prix et je mettrai si ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Selon moi, toujours. Hein, c'est mon idée à moi. Non, il est sympa. J'aime pas la couleur. Voilà, et voilà. Je m'incruse rapidement dans la vidéo, bien longtemps après qu'elle soit finie, parce que figurez-vous, j'avais oublié que j'avais encore commandé un article et qu'il n'était pas arrivé. Donc, il est arrivé la semaine passée. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Je ne sais même plus c'est quoi, en fait. Et c'est vrai que j'avais oublié que mon prix, parfois, quand ils n'avaient pas de disponibilité immédiate, parfois, tu vois, il fait noter disponible dans 2-3 semaines, et ben, il l'envoyait après. Donc, voilà, j'ai reçu ceci. Je vais regarder c'est quoi, je ne sais absolument pas et je vais l'essayer. Ah ben voilà, c'est un top bardo en fait, j'avais complètement oublié que j'avais commandé ça. Il est orange, mais je pensais qu'il était orange qui tire un peu vers le rouge, même pas. J'ai pas le soutif idéal pour ça, hein, évidemment, comme d'hab. Je vais vous montrer de plus loin. Faites pas attention aux colis qui sont derrière, c'est tous les colis que j'ai reçus depuis la semaine passée. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mon pyjama en dessous. Hein. Donc faites pas attention. Mais bon, c'est un bête top bardo comme ça. Je sais pas. Je suis pas convaincue de la couleur en fait, ce orange et le fait que les manches s'arrêtent là. Je sais pas. Je suis pas convaincue. En plus, je l'attendais plus. Je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, mais même si je le mets dans mon jean, je sais pas. Pas convaincue. Donc voilà, au final, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais quand les vêtements vont et qu'ils semblent corrects, que ça taille bien, que ça semble de qualité passable, surtout là, on parle du bon prix, hein, qui a quand même vachement augmenté ses prix, je trouve. J'achète là depuis des années et des années. Mais ça reste quand même assez avantageux. Voilà, après, je te dis, il y a des vêtements qui ont très mal tenu avec le temps. Pour moi, mais d'autres ont très bien tenu. Voilà, mais t'as vu un petit peu la commande, des basiques. Je sais pas quoi trop te dire parce que cette fois, c'est des trucs basiques et tout est correct. C'est question de goût aussi par rapport aux vêtements, comment ça taille. Je pense au body notamment. Mais voilà, tout était très bien. Je vais quand même renvoyer le pantalon, c'est sûr, et à mon avis, le body. Donc cette tenue-ci, je vais la renvoyer, je crois. Et le reste, ben, je pense que je vais tout garder. Bon, c'est mon portefeuille qui va pas être content. Mais je pense que, ben ouais, il y a tout qui va en fait, hein. Voilà, c'est après cette commande réussie que je vais te laisser. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je mettrai les références dans la vidéo si j'ai le temps. Mais sinon, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout mettre sur le blog. Donc, toutes les vidéos que j'ai publiées maintenant. Je mettrai aussi les liens et tout sur le blog, comme ça vous avez un. Il y a vraiment un lien direct. Il suffit d'aller sur lesdealers.com pour retrouver tous les historiques, etc. Et voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un prochain haul qui sera. J'espère que la commande Shein sera arrivée. Donc on croise les doigts.